D'abord, bonjour à tout le monde. Merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui pour qu'on vous partage des informations sur cet outil qui est très, très important, comme vous allez le voir déjà en temps normal, mais aussi en période de crise. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Valérie Pichot, je suis la directrice du service de développement local et régional à la MRC de Matawinie. L'objectif du service que je dirige est d'aider et d'accompagner les entreprises pour favoriser le développement économique et social au niveau du territoire. Alors, vous vous en doutez, avec la pandémie qui nous est tombée dessus, nous avons dû réorganiser toute notre activité de manière à accompagner le mieux que nous pouvions les entreprises. Et donc, vous voyez qu'on a déjà entrepris un certain nombre d'actions. Tout d'abord, pour les entreprises qui avaient un prêt avec la MRC, on appelle les prêts FLI, on a proposé des moratoires de paiement de 3 mois, puis de 6 mois. Il y a un autre élément que nous faisons à tous les jours, c'est que nous suivons l'actualité en direct. Et donc, nous publions une mise à jour des informations sur la page Facebook de la MRC, qui vous donne donc en temps réel toutes les mesures d'aide gouvernementale auxquelles vous pouvez postuler. Donc, c'est très, très important pour vous de bien suivre cette actualité, puisque, on le voit, il y a des mesures qui évoluent en fonction des demandes. Par exemple, le fonds d'aide d'urgence. Par exemple, excusez-moi, le programme PACTE qui a évolué, la subvention salariale d'urgence aussi qui a évolué. Au départ, il fallait que la masse salariale soit d'un minimum de 50 000 dollars, maintenant c'est 30 000, etc., etc. Donc, tout ça pour vous dire que cette actualité, elle est très importante pour vous. Et donc, je vous encourage vraiment à la suivre au travers de notre page Facebook qui vous donne tous les liens avec les ministères pour avoir de plus amples informations. Une autre chose que nous publions sur la page Facebook, c'est la liste des organismes communautaires qui sont en activité sur le territoire, ce qui là aussi peut être important par rapport à vos employés ou même par rapport à vous-même. Et enfin, donc, nous gérons aussi pour le compte du ministère l'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Donc, on a fait deux webinaires la semaine dernière pour expliquer ce qu'est cette aide d'urgence. En fait, c'est un prêt avec un taux quand même assez préférentiel de 3% pour lesquels on peut ou ne pas d'ailleurs demander des garanties en fonction de la solidité de votre dossier. Donc, si vous avez des questions sur le prêt d'urgence, vous pouvez les poser ultérieurement. Et puis, pour terminer aussi, on a publié un document sur comment bien gérer la crise et comment sortir de la crise, le plan de contingence, dans lequel on parle du budget de caisse. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit que ce serait intéressant, au vu de toutes les questions que nous avions, de pouvoir vous donner peut-être de plus amples informations sur ce concept de budget de caisse, qui est certainement très familier pour un grand nombre d'entre vous, mais peut-être que pour d'autres, un peu moins, parce que quand les affaires vont bien, c'est peut-être des choses qu'on regarde moins. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Nassirou, qui est une personne comment dire, qui s'occupe de tout l'aspect financier, qui est un expert en finance, de revenir sur le concept du budget de caisse. Alors, avant de lui donner la parole, simplement pour vous dire qu'il va y avoir une présentation descendante où il va vous expliquer le concept du budget de caisse dans un premier temps, et dans un deuxième temps, vous allez pouvoir lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Et là, je vous engage à utiliser le clavardage. Donc, on regardera à la fin de sa présentation toutes les questions, on les repassera une à une, et puis il aura l'opportunité de vous répondre. Alors, vous voyez à l'écran s'afficher les personnes qui sont dans le service de développement local et régional, qui est l'ancien CLD, pour ceux qui connaissent. Donc, Nassirou, qui va nous faire la présentation sur le budget de caisse. Il y a également Marie-Andrée Alary,
commissaire au développement touristique. Je sais qu'elle est très connue puisque ça fait longtemps qu'elle œuvre en Matawini et il y a des entreprises touristiques qui sont avec nous cet après-midi. Vanessa Munoz qui s'occupe du développement local et social. Marie-Christine Fournier qui est présente avec nous cet après-midi. Qui travaille aussi sur le comment dire qui travaille aussi sur la politique aux aînés. Lucie Didier est spécialisée dans les organismes communautaires et le développement communautaire et Patricia Degré qui est l'assistante du service. Alors ces préliminaires étant faits, si vous est-ce que vous avez des questions dans un premier temps ou pas avant que je laisse la parole à Nassirou. Je ne vois rien s'afficher à l'écran. Bon, ben Nassirou, je te propose de commencer ton exposé. Et puis, s'il y a des questions, ben je les prendrai. Vous avez vu que le webinaire est enregistré. C'est simplement pour, je dirais, les faciliter, ceux qui n'ont pas pu le suivre, de pouvoir le réécouter ultérieurement. Nassirou, c'est à toi. OK. Bon, merci à tous là, de votre disponibilité pour assister à cette rencontre, ce webinaire là, qui est une rencontre d'échange avec vous autres sur le budget des caisses. Donc moi, en tant que conseiller aux entreprises, j'ai quand même une pensée particulière à la communauté d'affaires de la Matawini qui vivent ces moments avec la fermeture temporaire de vos commerces de manière générale. Comme l'a bien si bien expliqué Valérie, la MRC Matawini, à travers son service de développement régional, demeure disponible pour vous accompagner dans votre démarche de relance. Donc, comme on le sait, bientôt, dans un avenir très proche, il y aura éventuellement un déconfinement progressif, comme l'a expliqué le Premier ministre. Donc, en ce sens, le budget des caisses ou de trésorerie deviendra un outil fondamental pour tout entrepreneur ou gestionnaire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le budget des caisses ou le budget des trésoreries, il dresse de manière générale un portrait de mouvement d'entrée et de sortie de fonds d'une entreprise. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il permet aux promoteurs de projets d'identifier à quel moment une entreprise devrait avoir un excédent de liquidité ou un déficit de liquidité. Donc, c'est un document qui est généralement demandé en cas de besoin de financement externe par des investisseurs. Ça peut être une institution financière, ça peut être un organisme de développement comme nous autres, puisqu'il nous permet de définir l'activité avec les activités futures de l'entreprise pour savoir si elle est à mesure de rembourser les prêts, mais aussi de la survie de l'entreprise de manière générale. C'est en ce sens, il devient pour nous autres et pour les promoteurs aussi un outil de prise de décision de manière générale. Donc, les éléments du... Nassirou, excuse-moi, il y a une personne qui attend en salle d'attente. OK, donc je dois l'accepter. S'il te plaît, excusez-moi de vous interrompre. Ben, pas de problème. OK. C'est fait? Merci. Ouais. Donc, la nomenclature générale d'un budget des caisses, là, il est divisé en trois grandes parties. Donc, la première partie, c'est les encaissements. Donc, les encaissements, dépendamment de quel genre de budget des caisses vous avez, ça veut dire rentrée de fonds, ça peut dire aussi recette. Donc, vous allez voir, dépendamment des budgets des caisses que vous avez, mais les trois items signifient la même chose. Donc, c'est encaissement, rentrée de fonds ou recette. Donc, c'est des entrées de fonds ou des flux financiers prévus pour la période déterminée. Prévu est important dans ce sens où ça correspond à la période bien déterminée. Donc, entre-temps, vous pouvez avoir des ventes au comptant, des comptes clients, que ce soit à échéance 30 jours, 60 jours ou 90 jours, et des subventions. Donc, là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut distinguer ce que c'est qu'un revenu et un encaissement. Par exemple, une vente à crédit de manière générale qui s'est faite pour 30 jours. Nous sommes au mois d'avril,
aussi longtemps le montant n'a pas été encaissé, vous ne pouvez pas mettre, le mois d'avril ne peut pas supporter la vente. Donc, ça veut dire que l'encaissement se fera que 30 jours après. Donc, c'est l'exemple. Et une vente à crédit, ce n'est pas un encaissement, c'est un revenu. Donc, il faut faire la distinction de ça. Dans la comptabilité, quand il y a une vente qui est faite à crédit, on débite le compte vente qui part, lui, il est lié de manière générale à l'état de résultat et vous créditez votre, vous débitez votre compte client. Maintenant, une fois que le client aurait payé, là, en ce moment, c'est l'argent, ça rentre dans la caisse ou dans la banque. Donc, c'est en ce moment qu'on pourrait mettre ce montant spécifique dans les encaissements. Mais on va voir ça dans la partie exemple un peu plus long, un peu plus tard. Ensuite, Ensuite, vous avez le décaissement. Donc, le décaissement, c'est la sortie de flux financiers prévu à la période bien déterminée. Donc, vous avez le compte fournisseur, vous avez les paiements récurrents qui sont liés à l'exploitation de l'entreprise et aussi des remboursements qui, eux, devraient se faire. Très souvent, dans ce cas spécifique, vous avez, par exemple, l'achat d'une marchandise. L'achat d'une marchandise aussi a le même dispositif de règlement comme l'encaissement. Par exemple, quand vous achetez une marchandise, en ce moment aussi longtemps, le décaissement n'est pas fait, le mois qui le supporte doit être le mois où le montant a été réellement décaissé. Donc là aussi, on va voir ça dans l'exemple plus tard. Bon, il y a quelqu'un qui est arrivé, je vais accepter. Oui. OK. Voilà. Ensuite, vous avez la différence entre l'encaissement et le décaissement nous donne le solde de trésorerie. Donc, si l'encaissement est supérieur au décaissement, en ce moment, on a un excédent de liquidité. Donc, pour certaines entreprises, c'est le moment de faire certains investissements ou de faire des placements qui vont rapporter de l'argent à l'entreprise. Si l'encaissement est inférieur au décaissement, en ce moment, la trésorerie est négative. Il faut chercher un financement externe. En ce moment, ça peut être une marge de crédit, ça peut être un emprunt pour permettre à l'entreprise de faire face à ce problème de trésorerie. Donc, en ce moment, vous pouvez contacter la MRC en ce moment avec l'aide d'urgence pour essayer de faire face à cette situation temporelle par rapport à votre trésorerie. De manière générale, ici, vous avez un exemple de la BDC de comment un budget des caisses pouvait être élaboré. Ce qu'il faut comprendre, l'élaboration d'un budget des caisses, elle peut se faire sur une base hebdomadaire, sur une base mensuelle ou une base trimestrielle. Mais l'élément le plus important, c'est de savoir la détermination de la base de subdivision d'un budget des caisses dépend de deux éléments. Un, le premier élément, c'est la confiance du promoteur dans ses prévisions. Et le deuxième élément, c'est la synchronisation des entrées et des sorties de fonds de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Si le promoteur, puisqu'il a beaucoup d'expérience pour avoir continué l'entreprise, ça veut dire, lui, il peut se baser sur un budget des caisses à court terme. Mais plus les entrées de fonds et les sorties de fonds sont moins synchronisées, il est conseillé de partir sur une base de temps très courte. Ça veut dire maximum un mois. Donc, ça veut dire les budgets des caisses sur une base de trimestrielle, on perd la pertinence de l'information financière. C'est ça aussi les éléments qu'on doit prendre en considération pour bâtir son budget des caisses. J'ai quelqu'un qui est là. J'ai une expression là qui me vient en tête.
sur pourquoi est-ce qu'il faut le faire aussi souvent et aussi régulièrement en période de crise. Il y a des experts qui disent que le budget de caisse ou votre trésorerie, c'est un peu comparable à la jauge de votre moteur, la jauge essence de votre moteur quand vous conduisez. C'est-à-dire que est-ce que vous allez tomber en panne d'essence ou est-ce que la station-service prochaine, vous allez réussir à l'atteindre ou pas. Donc, c'est en ça où cette notion de budget de caisse à faire régulièrement est importante par rapport à l'état financier dans sa globalité. Nassirou, si tu veux compléter. Oui. Donc, c'est parce que j'ai perdu, je ne sais pas si vous... Donc, c'est pour cela qu'il est important quand même de la faire. C'est une base courte pour tirer le maximum d'informations. Donc, c'est ça l'avantage de faire le budget des caisses. Maintenant, pour l'élaboration du budget des caisses. Donc, l'élaboration du budget des caisses, surtout en moment de crise ou d'incertitude économique, il faut... On doit prendre en considération beaucoup d'éléments. Donc, la manière la plus appropriée pour le faire, c'est une fois que vous avez votre budget de caisse, c'est détailler d'abord les dépenses, en commençant par les charges fixes. Parce que les charges fixes, ce sont des charges, quel que soit le niveau de votre activité, elles ne changent pas. Donc, en ce moment, vous pointez les charges fixes qui sont dans la partie décaissement. Mais on va voir un exemple plus tard. Ensuite, en deuxième position, c'est de très souvent dans les grandes entreprises, le budget des caisses se fait en collaboration du service de finance et le marketing qui se mettent ensemble. Mais dans des petites entreprises, les promoteurs portent toutes les casquettes. Ils sont service marketing, service finance, tous ces éléments. Donc maintenant, une fois que la partie des charges fixes est complétée, maintenant, on part du côté des prévisions de vente, puisque les prévisions de vente ont une corrélation avec les charges variables. Plus pour savoir exactement quelle proportion d'achat devra être faite pour amener tel ou tel revenu. Bon, je vais essayer que quelqu'un, Valérie, qui s'en vient. Vas-y. Bernard, Isabelle. Ok. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Et puis, le troisième élément, c'est de surveiller de manière générale, puisque maintenant, on est en période de crise, il y a beaucoup de mesures d'atténuation ou les mesures gouvernementales qui permettent à une entreprise d'aller soit trouver de l'aide gouvernementale ou aller chercher des crédits d'impôt ou des subventions qui sont liées ou certains incitatifs financiers qui permettent à une entreprise d'alléger son fardeau financier. Donc, je vais peut-être aller directement au budget des caisses. Comme ça, on va le voir de la manière dont il est matérialisé. Je ne sais pas si vous l'avez à l'écran. Là, Nassirou, on a la diapositive. Voilà, là, on l'a. C'est correct? Oui, là, c'est correct. Si tu peux le mettre peut-être en plus grand, ça serait idéal. OK. Je vais juste... C'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous? Bon. Pour ceux qui ne voient pas, est-ce que vous pouvez le dire? Vous le voyez, le budget des caisses? Oui, on le voit. OK. Oui. OK. Donc, le budget des caisses se présente comme suit. Donc, vous avez la première partie qui concerne les encaissements. Elle est là. Donc, c'est la première partie qui concerne les encaissements. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être encaissement, entrée de fonds, recettes. C'est les mêmes termes. Ensuite, la deuxième partie, elle concerne les déboursés. Donc, juste
ici, donc c'est débourser sortie de fonds ou sortie de fonds ou décaissement, c'est le même terme. Ensuite, vous avez la partie qui concerne les trésors, le solde. Donc, ce qui concerne le solde, ça veut dire que c'est la différence entre l'encaissement et le décaissement. Donc, très souvent, ce qui est conseillé quand vous venez remplir votre budget de caisse, on se met dans la partie décaissement. On choisit de manière générale les charges fixes de l'entreprise. Par exemple, très souvent, le loyer, vous avez aussi les assurances et dans une autre mesure, les salaires, si toutefois, les salaires, puisque si vous avez quelqu'un qui est permanent dans l'entreprise. Donc, lui, les salaires administratifs aussi, ça ne varie pas. Ensuite, on remonte au niveau des encaissements. Au niveau des encaissements, c'est de prévoir. Si on fait une vente comptant, ici, on a du 1er janvier du 1er janvier au 31, donc 12 mois pour le budget des caisses. Donc, si vos ventes sont comptantes, vous faites des ventes comptantes, ça veut dire en ce moment, vous pouvez faire les enregistrements pour les ventes comptantes. Donc, ça, pour les ventes comptantes, ça veut dire que, par exemple, à la fin du mois de janvier, vous vendez pour 10 000 $ donc c'est 10 000 $ comptant. Donc, ça, c'est la vente comptante. Maintenant, si vous faites une vente 30 jours, la vente 30 jours qui est, par exemple, de 10 000 $ donc, les 10 000 $ ne seront pas dans la partie janvier. Ça serait dans février. Pourquoi? Puisqu'on va aller chercher le montant ne serait réglé que 30 jours après, donc qui serait 10 000 ici. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, bon, maintenant, si c'est 60 jours, ça serait 2 mois plus tard. Si c'est 90 jours, 3 mois plus tard aussi. C'est qu'à chaque période, elle prend en considération que l'encaissement prévu pour le mois. C'est ça qui est important à retenir ici. Donc, très souvent, ce qu'on conseille aussi aux entreprises, c'est d'avoir une politique de recouvrement qui permet à l'entreprise d'alléger les finances de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites une vente de 30 jours et que vous négociez à avoir ça, le montant dans les 15 jours, ça veut dire que le montant pouvait être dans la partie janvier. Ce qui permet d'avoir de dégager des liquidités pour l'entreprise. Ensuite, maintenant, en essayant de remplir votre budget de caisse, il faut prendre en considération l'encaisse de débit. L'encaisse de débit, ça doit être ici à la ligne 53. L'encaisse de débit, si vous êtes une entreprise existante, vous l'avez toujours dans vos intérimaires, votre dernier intérimaire. Ici, par exemple, nous sommes de janvier à décembre. Dans votre intérimaire de décembre de l'année passée, dans la case encaisse, vous avez encaisse à la fin. C'est ce montant que vous reporterez ici au niveau encaisse de débit. Donc ici, à la ligne 53, là où je pointe mon curseur. Donc, je ne sais pas si c'est 5 000, vous pouvez mettre 5 000 par là. Est-ce que ça va? Ensuite, maintenant, pour ce qui concerne les achats, si vous faites des achats spécifiques à une période donnée, par exemple, les achats de marchandises qui devront être déboursés au mois de, par exemple, 30 jours après. C'est-à-dire le déboursement ne se fera qu'au moment où l'argent sort effectivement du compte de l'entreprise. Donc, plus on négocie des délais fournisseurs plus longs, mieux c'est pour l'entreprise, pour permettre à l'entreprise de dégager des liquidités de trésorerie. Donc maintenant, dépendamment aussi du cycle d'activité de l'entreprise, donc par exemple pour les ventes comptantes, on va continuer ici. Donc vous avez les montants concernant les ventes. Ensuite, pour ce qui concerne, ça peut être si au courant de l'année, au courant de la même année, vous avez par exemple une subvention ou un prêt.
Donc, vous pouvez jouer ici avec les différents items. Donc, ça peut être, vous pouvez ajouter d'autres lignes supplémentaires. Donc, pour, par exemple, aide gouvernementale ou crédit, tout ça, vous pouvez jouer de manière générale dans le budget des caisses. Et à la fin, plus vous remplissez votre budget des caisses, donc vous avez à l'encaisse de fin, si c'est positif, ça veut dire que l'entreprise dégage un excédent de liquidité. Si c'est négatif, ça veut dire qu'en ce moment, l'entreprise a besoin d'une solution externe pour pallier à ce manque de liquidité, qui peut être soit une marge de crédit ou un financement. Donc, on va faire peut-être un exercice ensemble. Donc, ici, vous avez, par exemple, une vente... Nassirou, excuse-moi, avant qu'on fasse l'exercice, il y a deux, trois questions qui, je pense, sont intéressantes à répondre maintenant. Tout d'abord, comment est-ce que tu traites les ventes, les taxes encaissées sur les ventes et les taxes payées sur les dépenses? Puisque là, maintenant, pour ce qui concerne les taxes, donc ça veut dire qu'à un certain moment, si vous avez des taxes entre les taxes à collecter, la différence à payer à l'État, donc ça veut dire en ce moment, pour les taxes, à un moment donné, vous avez ce qu'ils appellent des acomptes que vous devrez payer. Donc ça veut dire que dès que ça va, en ce moment, vous pouvez ajouter une ligne. En fait, là, c'est pas la liste n'est pas exhaustive. Donc, ça veut dire que vous pouvez ajouter une nouvelle, par exemple, insertion ici et ajouter par exemple, taxes qui sont peut-être des acomptes que vous payez à l'État. Mais la différence des acomptes, l'acompte se fait à des moments soit trimestriels. C'est peut-être pas par mois, c'est trimestriel que vous payez. Donc, ça veut dire ajouter, je ne sais pas, à compte prévisionnel. Donc, là où vous les payez en ce moment à ce niveau. Si vous avez des crédits d'impôt que vous recevez de l'État, vous pouvez aussi venir les mettre au moment où l'entreprise les a reçus. Si c'est au mois de janvier, c'est le moment où l'argent est rentré automatiquement dans le compte de l'entreprise. Puisque c'est pour des sorties ou entrées de fonds prévues pour la période. Là, c'est très important aussi. Voilà, en fait, c'est pour abonder dans ton sens, c'est tous les éléments financiers, liquidité, de rentrée ou de sortie d'argent tels que vous les connaissez aujourd'hui et tels que vous les projetez. C'est-à-dire que vous savez que dans 3 mois, parce que là, il y a des moratoires, vous allez devoir payer X dollars sur les taxes, mettez-le dans le tableau parce que vous vous doutez bien que si vous reprenez l'image de la jauge à essence, c'est comme si vous ponctionnez 10 litres dans votre réservoir. Et si vous n'avez pas rentré d'argent, ben forcément, le réservoir ne va pas être au même niveau. Donc, le concept du budget de caisse, c'est ça en fait, c'est de voir exactement à la semaine à semaine, où est-ce que vous en êtes. De même, pour si vous avez un moratoire ou par rapport à votre hypothèque, là aujourd'hui, vous ne le payez pas, mais peut-être que dans 3 mois, vous aurez à le payer. Vous avez fait des accords éventuellement avec vos fournisseurs pour les payer plus tard. Là aussi, à partir de quand vous allez devoir le payer? Est-ce que vous avez négocié, est-ce que vous avez négocié que ça serait sans charge ou pas? Donc, tout ce que vous savez être comme éventuelle rentrée ou sortie d'argent doivent être mis dans ce tableau. Par rapport à ça, il y a aussi une question, est-ce que ce sont des ventes réelles ou des ventes approximatives? Parler, puis après je reviendrai. Vas-y. Ok. Bon, pour ce qui concerne le budget des caisses, si vous faites des... Puisque maintenant, ça vous appartient de faire... Il y a des prévisions qui devraient être faites. Donc, puisque les prévisionnels, donc, c'est des... De toute façon, pour l'inscrire dans le budget des caisses, ça prend les ventes réelles. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir un budget des caisses à la mesure où il reste prévisionnel au moment opportun, vous avez la vente réelle. Donc, sûrement, il devrait suivre une correction pour déterminer la différence que vous avez de trésorerie. Exemple, on prévoit vendre, par exemple, au mois de mars, je ne sais pas, 10 000. Et que le mois de mars arrivé, les 10 000 qu'on devrait vendre, on se rend compte qu'on a vendu pour 7 000. Donc, qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre une
ça engendre un manque de liquidité de 3 000 $ que, en ce moment, l'entreprise devrait faire face à ce problème de liquidité. Donc, nous, on est ici dans un budget de caisse qui est prévisionnaire. Donc, pour les 12... Est-ce que ça veut dire, Nassirou, que, par exemple, moi, j'ai une auberge, aujourd'hui, elle est fermée, d'accord? Oui. Est-ce que dans mon budget de caisse, je dois prévoir une réouverture hypothétique et mettre des ventes hypothétiques, par exemple, sur le mois de septembre? Oui, vous pouvez le prévoir, mais pour ce qui concerne les prévisions, c'est pour cela que les analystes qui parlent, ils disent, bon, maintenant, referez-vous à des spécialistes des secteurs que vous allez voir quelle diminution ou quel impact ça aura de manière générale sur votre secteur d'activité. Ça signifie, parce que j'ai une question dans ce sens-là, ça signifie que plus on a les chiffres justes, mieux c'est. C'est-à-dire que si on a des chiffres de ventes qui ont déjà eu lieu, très bien, des ventes par exemple à crédit, très bien. Vérifiez avec les gens à qui vous avez vendu, qui vous payeront bien à la bonne date, parce que ça aussi, ça vérifie. Mais par exemple, et c'est ça tout l'intérêt de ce budget de caisse pour les entreprises actuellement en période de crise, c'est qu'on a une incertitude. Et l'objectif ici, c'est de savoir combien de liquidités vous allez avoir. Donc, vous devez vous mettre effectivement dans une position de prévision avec un scénario qui n'est pas forcément optimiste. C'est-à-dire que si votre entreprise, qui est une entreprise touristique, va réouvrir, je dis n'importe quoi, au mois de juillet par exemple, ben, vous ne ferez peut-être pas les mêmes ventes en juillet 2020 que celles que vous aviez prévues s'il n'y avait pas eu la pandémie. Parce qu'on pense qu'il va quand même y avoir une récession économique. Donc ça, vous devez le mettre. D'accord ? Donc c'est ça, je dirais, la philosophie du budget de caisse. Ouais, je te pose des questions au fur et à mesure. Ok, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, que pour élaborer un budget de caisse, ça prend deux éléments. La confiance du promoteur dans ses prévisions de vente, parce qu'il a eu beaucoup d'expérience, et aussi la synchronisation des entrées et des sorties de fonds. Ce qui fait que, puisque vous avez déjà un historique de votre entreprise. Donc maintenant, les prévisions, vous pouvez vous baser sur l'historique, mais en tenant compte de la crise qu'on vient à l'instant de subir. Très souvent, on conseille de faire trois scénarios. Donc, un scénario optimiste, un scénario pessimiste et un scénario réaliste par rapport à votre secteur d'activité. Aujourd'hui, par exemple, dans le secteur de touristique, donc maintenant, les prévisions financières dépendra aussi du comportement individuel et collectif de la société, comment les gens vont s'y prendre. Donc, il y a ces éléments qu'il faut aussi prendre en considération. Ou aussi, on peut dire, OK, pour que moi, je sois capable d'aller chercher mes prévisions, je dois peut-être faire certains aménagements dans mon entreprise. Donc, en ce moment, peut-être certains éléments vont venir aussi des imprévus vont venir prendre en considération le budget des caisses. Par exemple, je suis un salon de coiffure où j'ai dit, OK, maintenant je dois faire la distanciation sociale 2 mètres, donc ça va me prendre quelques aménagements. Donc ça veut dire que c'est une dépense qu'il faut prendre en considération pour qui va me permettre d'aller chercher mes ventes estimé. Sans ça, je ne serai plus en mesure de servir ou d'être en mesure de produire mon service ou mon bien précis. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Valérie, qui rentrent? Oui. Comment est-ce qu'on peut faire un estimé dans le cadre d'un hôtel ou d'un restaurant, que ça va dépendre de la distanciation? Alors, moi, je me permets juste de dire, par exemple, un conseil que j'ai donné à un restaurant pour la distanciation, peut-être que si dans votre restaurant sans distanciation, vous aviez la possibilité de servir 30 couverts,
ben avec une distanciation de 2 mètres, parce que ce qui est aujourd'hui ce qui est annoncé, ben peut-être que vous devez planifier non pas sur un service de 30 couverts, mais sur 20 couverts. Donc 20 couverts et puis avec, je dirais, une limitation du fait de la récession, c'est ça qui va vous permettre de faire une estimation. Dans le cadre d'un hôtel, c'est pareil, ce qu'il faut que vous... Enfin, c'est pareil, c'est le même raisonnement. Est-ce que vous avez une clientèle internationale, oui ou non? Si vous avez une clientèle internationale, je dirais qu'à court terme, je pense qu'il faut faire sans la clientèle internationale. Là, on se dit, les experts disent qu'il y aura plus un recentrage sur le local, sur le, comment dire, on va promouvoir le Québec. Mais donc, regardez ça. Donc, quelle était aujourd'hui votre clientèle hyper fidèle, la clientèle occasionnelle, et puis faites des... C'est avec ça qu'il faut que vous fassiez des prévisions. J'ai suivi il n'y a pas longtemps un webinaire là-dessus où il nous propose en fait de segmenter la clientèle, votre ancienne clientèle en 3 ou en 4, peu importe. Je dirais que c'est ceux qui étaient vos fidèles, ceux qui faisaient peut-être 80% de votre chiffre et qui sont vos grands fidèles. Ceux-là, a priori, il y a le maximum de chances que vous les retrouviez plus ou moins. Mais ceux-là, ils sont, je dirais, c'est le cœur de votre métier. Après, ça veut dire qu'il va falloir faire des actions pour les conserver, ces bons clients-là. Après, si vous avez des clients qui venaient, qui étaient très, très occasionnels, bon, ben, ceux-là, ça sera peut-être un petit peu plus difficile. Donc, vous avez un exercice à faire pour savoir très clairement comment est structurée votre clientèle. Parce que ben, si c'est qu'une clientèle qui est extrêmement volatile, vous aurez plus de difficultés à repartir votre business que si vous avez une clientèle déjà qui est très captive. Parce que c'est n'importe quoi dans un camping, ben, vous avez 100 emplacements, puis sur ces 100 emplacements, ben, vous en avez 80, ça fait 20 ans qu'ils viennent. A priori, il devrait revenir. Donc là, vous avez une réflexion à faire. Et puis après, il y en a un qui me parle de la distanciation par rapport aux clients serveurs et servir à moins de 2 mètres. Oui, là, va falloir essayer de trouver des choses pour que ben, on puisse servir, pour que ça puisse être respecté. Ça veut dire que vous aussi, dans votre budget de caisse, vous allez avoir sans aucun doute des frais d'investissement pour l'achat peut-être de masques, de gants, de désinfection, de choses comme ça. Imaginons un comptoir pour que ben, vous puissiez servir sans que les clients et les serveurs soient touchés ou des choses comme ça. Tout ça, c'est des éléments que vous devez intégrer dans votre budget de caisse. Par les nations, je parle. Ouais. Et aussi, au-delà de ventes aussi, c'est qu'il faut aussi prendre en considération par exemple, la compression de certaines charges. Par exemple, pour ce qui concerne la restauration, si avant vous faites 50 couverts et que maintenant vous allez en faire 20 couverts, ça veut dire qu'en ce moment, peut-être le personnel pour 50 personnes ne serait pas, pour 50 couverts ne serait pas le même pour 20 couverts. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, au niveau de la charge salariale, aussi, ça pourrait avoir un impact en ce sens. Et aussi dans vos approvisionnements, achats, pour faire 50 couverts, ce n'est pas le même type d'approvisionnement qu'on aura pour faire 20 couverts. Donc, ça veut dire que les deux parties, qui sont encaissement et décaissement, vont pouvoir avoir une certaine synchronisation. C'est pour cela qu'on parle plus d'abord des charges fixes, qui elles ne changent pas, et puis les charges variables, vous pouvez les ajuster aussi en fonction de vos ventes. Donc, par exemple, combien vous avez besoin, par exemple, d'achat pour faire telle vente. Donc, si vous faites de compression. Donc, ça aussi, c'est des éléments à prendre en considération. Ou maintenant, pour vous mettre aussi au diapason de ce qui se passe, peut-être il y a la vente en ligne aussi pour faire pour emporter ou quelque chose comme ça. Donc, en ce moment, ça va vous prendre peut-être un service... d'être sur le web ou quelque chose comme ça. Tous ces éléments, vous devez les prendre en considération dans la partie de vos décaissements à faire dans un avenir proche. Est-ce que maintenant, ce décaissement va avoir une influence sur la trésorerie de l'entreprise en ce moment? Oui. Donc, nous, à notre niveau, on peut évaluer de manière générale ce que vous avez besoin pour financer
votre besoin en fonds de roulement ou votre besoin financier. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Valérie, ou... Là, pour le moment, j'ai pas d'autres questions. S'il y a d'autres questions, allez-y, c'est le moment. Écoute, je regarde le clavardage. S'il y a des questions, je t'interpelle. OK. Donc, ça veut dire que vous prenez la... Donc, là, on vient de faire la différence entre une vente comptant et une vente à crédit. Donc, nous, cet élément, pourquoi on le demande? Puisque en ce moment, comme vous le savez, au niveau de la MRC Matawini, on a un fonds d'aide d'urgence aux entreprises. Donc, cet élément, il devient primordial pour nous autres car il nous permet de manière générale de faire un lissage pour déterminer de manière globale les prévisions financières d'une entreprise. Donc, nous, on va travailler avec le promoteur en fonction des différents scénarios de l'entreprise sur avec une baisse d'activité. Donc, puisqu'on est en période de crise, c'est quelque chose à prendre en considération et selon le secteur d'activité pour bâtir de manière générale votre budget des caisses qui va nous permettre d'identifier de manière globale votre besoin en financement pour vous accompagner de la manière optimale. Donc, c'est pour cela qu'on a tenu à faire ce petit webinaire pour vous expliquer l'importance de ce budget des caisses, surtout en période de caisse et de crise, doit être un allié pour tout gestionnaire ou pour tout promoteur de projet. Est-ce que vous avez d'autres commentaires? Est-ce que c'est clair ou pas? Alors, il y en a qui parlent, mais j'ai pas de, il n'y a pas le son. Donc, très clair, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que toutes les questions qui ont été posées ont eu une réponse? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Moni, vas-y. Ah oui, bonjour. Bonjour, Moni. Bonjour. Moi, j'ai une auberge, mais je pense que ce n'est pas très réaliste pour... on ne sait pas où on s'en va. On ne sait pas est-ce que ça va être juin, juillet, ou... c'est difficile de mettre des montants quand on sait que ce ne sera plus du tout comme avant, ce ne sera plus du tout comme en 2019. Le tourisme, ça allait bien pour le moment, autant pour le Canada que pour le Québec que pour Lanaudière. Mais là, j'ai l'impression qu'on est tout à fait dans le trou. Je ne sais même pas comment on va s'en sortir. Je suis un petit peu... Oui, c'est vrai. Là-dessus, on est d'accord. On est d'accord, Monique, que personne ne détient la vérité. Personne n'a la boule de cristal. Ça, on est tout à fait d'accord. Malheureusement, et je pense qu'on aimerait tous avoir des certitudes et on n'en a aucune. Ça, c'est un fait et malheureusement, il faut qu'on vive avec. Maintenant, sur la notion de reprise, et je rebondis sur ce que disait Nassirou, par rapport à cette notion de budget de caisse qui détermine tes besoins de trésorerie, tes besoins de liquidité, il faut faire plusieurs scénarios. C'est-à-dire que tu peux faire un scénario en te disant OK, on va faire un scénario de best case, excusez-moi l'anglicisme, ou allez, on va faire une reprise en juin. Tu peux faire un scénario mitigé où ce ne sera que septembre, tu n'auras peut-être que 2 mois. Et puis un scénario, ce sera janvier. Voilà. Mais si tu veux, aussi bien tes rentrées que tes sorties vont être différentes. Parce que, comme l'expliquait Nassirou, tu as toute une partie de variables, de frais variables. Et ça, tes frais variables, si tu réouvres en juillet, en septembre ou en janvier, ça ne sera pas la même chose. Ce qu'il faut que tu essayes d'arriver à déterminer, c'est la taille, je dirais, la taille de ton auberge actuelle. Comment est-ce que tu peux la réaménager compte tenu des informations qu'on connaît aujourd'hui? On ne connaît pas tout, mais aujourd'hui, tu servais combien de couverts? Tu
va pouvoir en servir combien bientôt. Tu vois, c'est des choses comme ça. Et oui, faut faire des prévisions, il faut être inventif. Je comprends tout à fait à quel point ça peut être difficile. Je ne minimise absolument pas ça, mais là, je dirais que cet exercice-là, pour toi, il est encore. Enfin, pour ceux qui n'y voient pas bien clair, c'est encore plus important d'essayer de faire quelque chose plutôt que de se dire je vais attendre d'y voir un peu plus clair. Tu levais la main, t'avais une question. Oui, qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Oui, qu'est-ce qui est le mieux, de rentrer un prévisionnel optimiste ou bien pessimiste si on veut être sûr d'avoir un peu de liquidité, de recevoir des liquidités tant en prêt ou en marge de crédit pour tenir jusqu'à ce que ça reparte? Ben, il te faut les deux. Vas-y Nassirou. Oui, les deux. Moi, en tant que conseiller aux entreprises, donc si vous me... Je préfère, par exemple, avoir votre scénario le plus pessimiste. Et si après la situation s'est arrangée plus tard, ce n'est qu'un bénéfice et pour vous et pour nous autres. Ça permet non seulement à votre entreprise de pouvoir décoller. Et si vous faites un scénario optimiste et qu'après les prévisions financières ne sont pas au rendez-vous, en ce moment, ça va empiéter davantage la stabilité de votre entreprise. Donc, c'est pour cela, en ayant un scénario le plus conservateur possible, ça peut permettre aussi à vous autres de voir la direction que pourrait prendre votre entreprise. Oui, parce que je pense que ce qui est important pour nous dans le tourisme, parce que je vois que je ne suis pas la seule en tourisme, ce qui est important, c'est d'avoir assez de liquidités pour qu'on puisse tenir le coup jusqu'à ce que ça reparte. Ça repartira pas le mois prochain, ça repartira pas en juin, ça c'est sûr. Mais il faut qu'on tienne le coup parce qu'on va, couler les uns après les autres si on n'a pas ce support. Mais un support sous forme, comme je dirais, la marge de crédit de 40 000 du gouvernement, mais c'est bien... Là, Monique, t'as plusieurs choix. Effectivement, le prêt que vous pouvez avoir avec les institutions garanties par la BDC de 40 000, ouais. Qui peut vous aider sur votre fonds de roulement. Ça, c'était une première chose. Ouais. Nous, on vous encourage à 2000% à faire cette demande. Et puis, il y a aussi, dans un deuxième ou troisième temps, l'aide d'urgence au PME, qui là est un prêt, bon, avec un taux préférentiel à 3%. 3%, oui. Oui, mais on le sait, malheureusement, ça c'est des balises qui nous sont imposées par le gouvernement. Mais d'abord, le fonds de finance avec la BDC, faut y aller, faut que tout le monde fonce là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est que le prêt, c'est très intéressant c'est une marge de crédit, donc sans intérêt. Mais ce qu'il y a, tu sais, on est des petites entreprises. Enfin, moi, je suis une petite entreprise et j'ai malheureusement tourné au ralenti l'année passée parce que je me suis fait opérer du genou. Donc, et là, je n'ai pas mes 20 000, mais j'ai 19 700 et quelque chose. Je ne suis même pas admissible pour ces 40 000. Mais si on compte mes 12 derniers mois, oui, je suis admissible parce que j'ai plus qu'une masse salariale de 20 000. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu as postulé? Non, parce qu'il faut que tu répondes à toutes les questions et que tu dis oui, j'ai eu une masse salariale de au moins 20 000 et tout ça, mais j'ai eu 19 000 et des poussières. Donc, tu vois, je ne peux pas dire oui, oui parce que je mens. C'est une fausse déclaration. Non, non, bien sûr. Mais ça postule à l'aide d'urgence PME. Ben, ce n'est pas celle-là, ce n'est pas 40. Non, non, non. Non, non, hein? Non, tu as deux choses. Tu as le fédéral. Oui. Tu as le fédéral qui proposait marge de crédit. Cette marge de crédit de 40 000 $ sans intérêt. Et là, il y avait une condition de masse salariale qui, au départ, à 50 000 et ils l'ont abaissé à 20 000. Oui, c'est ça. Ça, c'est le fédéral. Et puis, oui. Tu as eu une annonce du provincial avec ce qu'ils appellent l'aide d'urgence aux PME. Et ça, c'est un prêt qui est géré par la MRC
avec qui peut aller jusqu'à 50 000 dollars avec un taux d'intérêt de 3%. De 3%, oui, donc ça, ce serait l'inflation. Oui, oui, c'est oui. Ça. Et il y a un moratoire les trois premiers mois qui peut s'étendre, etc., etc. Et là, il y a une analyse financière, comment dire, de l'entreprise faite avant pour voir si effectivement l'entreprise était solide, ce qui est ton entreprise. Oui, mais il y a ce 3%. Cette aide, vous pouvez être admissible à cette aide en fonction de votre historique ou des éléments à fournir par rapport à une analyse serait faite à ce sujet. Ok, merci. Je pense que ton entreprise, Monique, elle est quand même connue. Il y a une certaine aura localement. Donc, je veux dire, tu as tout intérêt à postuler à l'aide d'urgence au PME. Oui, c'est 3%, oui, mais il faut que tu considères que l'inflation, elle est à peu près de 2%. Et c'est un remboursement qui peut être anticipé. On ne demande pas forcément des garanties. Voilà, donc c'est ça, je veux dire, c'est en fonction, je dirais, de la solidité de l'entreprise, de l'analyse de l'entreprise, qu'on va demander des garanties ou on ne va pas en demander. Donc, tout intérêt à postuler, si tu peux pas avoir le prêt fédéral, à s'adresser et faire le prêt, le demander de l'aide d'urgence. Ouais. Là, je vois quelqu'un qui dit la masse salariale 20 000 rend les choses difficiles pour le prêt de 40 000. C'est ça, c'est ce que je disais aussi. Ouais. Il y a un comité de sélection pour le prêt de la SADC. Ça, je peux pas vous dire pour le prêt de la SADC. Ce que je peux vous dire, c'est que pour le prêt de l'aide d'urgence aux PME qui dépend non pas de la SADC mais de la MRC, je vous rappelle que la SADC en fait fait un peu le même travail que nous, mais dépend du fédéral alors que nous on dépend du gouvernement provincial. Alors oui, MRC c'est ça effectivement, et il y a un comité de sélection pour ce prêt qui est composé d'élus. Et les élus, ce que je disais la dernière fois où je faisais le webinaire. Donc il y a 6 élus qui siègent, mais l'élu n'a pas droit de vote pour les entreprises qui sont sur son territoire. Donc le petit commentaire que je faisais, c'était pas la peine de, comment dire, d'essayer de faire pression auprès de votre mairesse ou de votre maire, parce que là d'office il est exclu il perd son droit de vote quand c'est une entreprise de son territoire, par souci d'équité. Ça, je pense que tout le monde le comprend. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Nassirou, je vois que tu voulais parler. Oui, moi je voulais ajouter quelque chose à Monique qui vient à l'instant d'intervenir. Ça veut dire que Monique, vous pouvez, pour ceux qui n'ont pas le budget des caisses, ils peuvent m'envoyer me le demander à mon courriel, peut-être plus en bas, là, je pense que où je vais les passer plus tard. Donc je peux vous envoyer le budget des caisses. Vous pouvez me faire votre budget des caisses le plus conservateur possible et puis. Puisque de ce que je comprends, en période d'incertitude et autres, et nous, on va analyser ça en fonction de votre historique. C'est qu'il faut comprendre l'aide d'urgence pour les entreprises qui ont au moins une année d'existence. Donc, ça veut dire que vous avez déjà un historique pour toute entreprise. Donc, c'est pour cela, par exemple, quand vous allez commencer, nous, on demande les 12 prochains mois. Donc, vous commencez à partir du mois d'avril ou de mai. Donc, ça veut dire que vous savez ce que vous avez fait, soit en janvier, février, mars, que vous allez l'inscrire et puis essayer de faire vos prévisions à partir du mois d'avril. Donc, vous avez tous les éléments, que ce soit l'encaisse de début et aussi par rapport à la situation de votre secteur d'activité spécifique. Moi, ce que je conseille le plus souvent aux promoteurs, c'est de voir des secteurs, dépendamment de leur secteur, et appeler des corporations. Par exemple, je sais pour l'industrie touristique, eux, peut-être ils ont des analystes qui aujourd'hui travaillent pour essayer de voir de manière générale la baisse ou l'impact que la COVID-19 aurait sur tel ou tel secteur d'activité. Il y en a qui parlent de 20, 30, 40, jusqu'à 80%. Donc, dépendamment de votre secteur, c'est quelque chose à prendre en considération, ces conseils des spécialistes ou de ces économistes qui sont dans le secteur. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
Oui, si vous avez des questions sur le budget de caisse, ce que vous pouvez faire, on va le mettre en ligne sur le site de la MRC et puis vous envoyez le lien. Donc, comme ça, vous pourrez aller le télécharger. Si vous avez des questions sur le budget de caisse, vous pouvez très bien m'écrire ou écrire à Nassirou. À la limite, vous pouvez m'écrire, je vous enverrai le lien. Et puis, en fonction des questions que vous avez, si vous voulez un conseil, une aide, un encadrement, un accompagnement pour bien arriver à faire votre budget de caisse, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas. L'objectif est vraiment de vous aider au mieux, du mieux possible pour que vous passiez cette crise le mieux possible, autant que faire se peut. Donc, c'est ça que je vous propose. Puis, si vous avez, peu importe la question, écrivez-nous. Nous sommes là pour vous. Nassirou, peut-être que tu peux mettre la dernière diapositive où il y a nos coordonnées, tu sais, de l'autre diaporama. Donc, okay. On est vraiment là pour vous aider, pour vous encadrer, pour vous accompagner autant qu'on peut. On ne fait pas des miracles, on n'est malheureusement pas des magiciens, on aimerait bien, mais on fait avec les outils qu'on a. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais vous propose de terminer ici. La semaine prochaine, on va faire un autre webinaire sur la masse la subvention salariale de 75% et le programme PACM ou PASM, je ne sais pas comment on le prononce, c'est toujours un peu difficile. Donc, là aussi, vous aurez toutes les coordonnées sur la page Facebook de la MRC. Inscrivez-vous, j'ai fait appel à un cabinet de ressources humaines extérieures qui viendra nous présenter l'ensemble, ça peut vous aider. Est-ce que la subvention de 10% aussi sera abordée? Qu'est-ce que vous entendez par la subvention de 10%? Là, vous me... Ah non, la subvention de 10%, normalement, les 75% viennent abolir les 10%. Mais ce sera abordé. Donc, je vous le dis déjà, c'est mercredi prochain, 11h. On se retrouve, pour ceux qui le souhaitent, sur Zoom pour assister à cette présentation. Je vais vous envoyer aussi un petit sondage pour connaître votre satisfaction. Si vous avez d'autres idées pour des webinaires, n'hésitez pas à nous donner vos avis, vos demandes, vos centres d'intérêt. C'est très, très important pour nous pour qu'on puisse faire des choses qui vous conviennent. Voilà, moi j'en ai terminé. Il ne me reste plus qu'à remercier Nassirou pour ta belle présentation, tes belles explications. Tu es toujours un passionné des finances, on le sait. Et puis, je remercie aussi tout le monde et je souhaite à tout le monde une bonne fin de journée et une bonne semaine. Bye tout le monde, à bientôt. Bye.